Coucou les amis, très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va faire une vidéo boule à neige parce que j'ai une cloche sur ma console et tout est dans les roses et ça va pas avec ce que j'ai acheté. Ça va pas, donc je vais la refaire mais dans les teintes or, brun or. J'avais aussi mis dedans un petit casse-noisette, je vais en faire un or. Or et je sais pas quoi, et marron, je sais pas, on verra. Je vous montre ce que j'ai acheté chez Action. J'ai trouvé ça, ces petites boules là, comme ça. Vous voyez, c'est avec une petite... Il y a 4 boules et en fait, dedans, vous avez des petits chibords comme ça en bois. Et ça vous permet de faire des petites scénettes en 3D. Vous voyez, avec les petits trucs que vous posez. Là, il y a le cerf. Il y a le petit bonhomme de... petit Père Noël. Là, le petit bonhomme de neige, comme ceci. Et la petite église, maison, non, l'église, il y a une croix. Et donc, voilà, bah, c'est impec. Alors, il y en a une, je vais m'en servir comme boule à neige, parce que je n'ai pas regardé s'il m'en restait ou pas. Elles sont belles, elles sont bien brillantes. C'était 1,39, je crois, le petit set, là. Et ça, on les avait pas vus, ils ont mis ça, là, ils ont mis ça cette année. Là. Enfin, là. Cet après-midi, je suis allée cet après-midi et puis j'ai vu ça. Donc c'est bon. Voilà, ça s'appelle Xmas Ball. Xmas Ball. Voilà, ils ont même mis les petites ficelles pour accrocher. Enfin, voilà, c'est mignon. Et je vais essayer de faire un truc un peu naturel. Et j'ai trouvé ça, j'en ai repris parce que j'achète surtout pour les blanches. Vous voyez? Parce que ça, on s'en sert facilement. Et puis j'ai pris ça. Je trouvais joli comme elles sont bien brillantes, quoi. Voilà. Je trouvais lumineuse, je trouvais joli. Donc j'ai pris ça. Et au miracle, il n'y a quasiment plus rien de Noël. Hein. C'est un tout petit rayon. Et je vous avais dit en vidéo que je regrettais de ne pas avoir repris les blocs de Noël. Et ben ils avaient remis. Bon, il y en avait quoi? Même pas 10. Hein. Il y avait le rose. Bon, je vais pas. Voilà, j'en prends un, j'en prends pas 50. Même si le rose était très joli, mais celui-là, je n'avais pas pris. Et puis, je vous avais dit, j'ai pas tellement de trucs classiques pour faire des cartes ou quoi. Il est magnifique, celui-là. L'écossais, bon, vous les connaissez, hein. Mais vraiment joli, celui-là aussi, j'aime beaucoup. Voilà, voilà. Ça, c'est joli aussi. Très joli aussi, celui-là. Il est vraiment beau. Un bel écossais avec du doré. Donc voilà, pour les cartes et tout, je trouve ça bien, quoi. Donc, je l'ai pris, hein. Ni une, ni deux. Il y avait un autre dans les classiques, mais que j'aime moins. Donc, voilà. Ah bah, que je suis bête. Non, c'est pas ça que je voulais faire. Je veux prendre aussi un petit décor. Je m'étais dit, je vais quand même me faire un petit... J'aime bien le cerf. Ah, celui-là que je trouve joli pour mettre. Je trouve ça joli. Il y a l'église aussi, mais bon, je vais faire le petit cerf. D'accord ou pas d'accord? Il y en a deux, trois, on sait pas. Bref. Voilà. J'ai pris les trois petits trucs comme ça, trois petites rondelles pour faire ma base de boule à neige. Hein, on va être dessus. Voilà, je vais essayer de voir ça, comment ça se fait ce truc-là. Mais je sais pas si je laisse en bois ou pas. Je sais pas, j'ai envie quand même de peut-être peindre le cerf et je sais pas, de pas tout faire bois, peut-être découper comme ça, non, ça va tout casser. Hein. Vous en pensez quoi? Ah, il y a les chiffres là, d'accord. Là, il y a 1, 2, 3. Ça, c'est le truc de où on doit enclencher les choses là. Ça, bah, je voudrais pas le casser non plus. J'espère que vous allez bien. Ouais, ça c'était pas prévu dans mes vidéos. Hein. Mais là, comme je viens de refaire ma console et tout, je me disais c'est pas joli quoi. Comment ça marche ce truc là? Comment ça marche? Quatre boules transparentes. C'est une
déjà mettre la boule toute seule. Et ensuite, mettre la neige. D'accord? Comme ça, hein, on va laisser en attendant. On va mettre également des petites boules or. D'accord. Alors, joli. Refermé, je pense. C'est un peu bizarre le truc, ça bouge. J'aurais peut-être pu mettre un peu plus de neige. Je me remets. Ouais, c'est pas évident quand même. Hein. Alors comme il y a un socle un peu rond, ça se remet en place, quoi. Attendez, hein. Ce qu'il faut, c'est pour pas que ça. Oh là là, oh là là. Hop, hop, hop. Hop. C'est un peu bizarre, mais bon. Bon. Moi, perso, j'aurais pu faire un truc pour caler bien, mais bon. Pourquoi pas. Je vais coller ça. Alors, je l'ai fait toujours un peu décalé pour... comment dire ? Pour pouvoir coller des petites choses dessus. Vous voyez? Trop la tête. Hein, on va essayer de faire. Alors, celle-là, elle est très belle, celle-là. C'est un peu biscornu, mais. Ils sont tous biscornus. Voyez, hop. On va faire ça. Vous mettez de la colle, vous mettez la petite boule comme ceci, la petite boule ici, et puis on va remettre de la. Voilà, je fais ça dans les ors, hein, ça ira mieux avec ma console. Là. Un petit grelot, pourquoi pas là. Une là, c'est un petit peu grosse hein, les boules hein, évidemment. Hop, petite étoile, ouais, petite boule, elles sont un petit peu grosses, dommage. Bon, donc on va coller ça à la place, les petites boules or. Ce qu'il faut, c'est toujours être un peu dans le ton. Vous voyez? Ah! Sabre-lasse, sabre-lasse. Là, il y a une petite blanche. Il y a un mini grelot. Trop mignon. On peut la mettre, celle-là. Là, une petite étoile marron. Très mignonne. Mignon. Oh, il est trop mignon le petit grelot. Je le garde. Ah, le mieux c'est que ça tombe. C'est vrai, ça tombe partout. Ah.
Il y en a partout. Partout, partout, partout. Des boules or. J'en ai marre de tout ça. Ça devient, hein. Une blanche parce que c'est joli aussi. Comme ça, vous voyez, vous décorez bien votre base. Hop, hop. Voilà. Voilà. Là, j'en ai fini pour ma petite boule à neige. Je vais peindre mon petit bonhomme. Ça, je ne sais pas si je le fais en vidéo, c'est peut-être pas vraiment la peine, hein. Ça vous fera rien de plus, quoi. Ça, hop, c'est très très chouli. Voilà, moi j'en ai fini pour ma petite boule à neige. Je vous ferai une photo de du grand final, hein. Du final, et comme ça, bah, ça vous donnera l'aperçu que j'ai fait dans ma cloche. J'ai mis un petit point de colle là en bas, vous voyez, pour parce que ça s'ouvre la boule, hein. On sait pas pourquoi, mais ça s'ouvre, d'accord. Voilà les amis, je peins le petit bonhomme là et puis où je mets sur pause. Petit bonhomme, il a les joues un peu trop rouges, hein. Je pense que je sais pas, il a dû arroser ça, je sais pas. Mais voilà, tu vois, c'est feutre, on croit que c'est rose clair, puis c'est rose foncé, enfin bref. J'ai mis de la paillette à gogo dessus et c'est bon. Voilà, je crois que ça ira dans ma déco de cloche. Voilà les amis, je vous fais à tous de gros bisous. J'en ai fini, je ne vous parle même pas de l'état du bureau, c'est infernal. J'ai fini mes deux petites créas vite fait, bien fait. Ma petite boule à neige, je ne vois pas, ou rien, rien, rien. Ma boule à neige ici même et mon petit casse-noisette. Ils vont rejoindre la cloche et puis je vous ferai une photo pour vous montrer ce que ça donne. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une future vidéo. Bisous, bisous, bye bye.